Coach, que peut-on attendre d'un match contre Penn sans enjeu sportif? Ben, d'abord, il y a un enjeu. Il y a un enjeu parce que pour le club, c'est important. En l'emportant demain, je pense qu'on peut gagner deux places. Donc, c'est important pour le classement du club, sur le classement pour le top 5 et les 5 années, parce que ça se classe sur les 5 années. Et aussi parce que, tout simplement, finir deux places plus haut ou deux places plus bas, ce n'est pas la même chose. Et voilà, je ne vais pas parler de financier, mais je pense que les droits TV ne sont pas les mêmes pour... Non, mais voilà, et puis surtout, ça c'est pour le club. Et puis surtout, il y a un enjeu par rapport à l'entourage, aux supporters, et par rapport aux joueurs, parce que c'est important de pouvoir tout de même finir... malgré tous les résultats qui ont été les nôtres précédemment, de finir avec une victoire et dire qu'on part avec une victoire est important pour finir cette compétition et pour la suite. On connaît votre relation avec les supporters qui était bonne quand ils étaient dans le stade. Si vous aviez quelque chose à leur dire pour peut-être clôturer cette saison, ce serait quoi? Bah écoutez, je comprends que les supporters soient déçus, soient très déçus parce que la saison on a eu une très très bonne saison l'année dernière, et justement comme vous disiez ça nous permettait d'avoir de bonnes relations. Après on a eu un très bon début de saison et puis ensuite il y a eu de beaucoup moins bons résultats, ce qui fait que l'écart type est très grand et que la déception est normale, et la déception engendre de la frustration. Plus la situation Covid qui fait qu'ils n'ont pas pu être là pour vivre les événements, pour nous pousser quand il fallait, pour nous secouer quand il fallait et pour nous encourager quand il le fallait. Donc voilà, autant quand c'était au milieu de la saison, je comprenais tout à fait les supporters et je disais aux joueurs qu'on devait essayer de le faire pour eux. Mais j'essayais de tempérer parce qu'il y avait encore des matchs derrière, quoi. Et autant là, voilà. Sportivement, on n'a pas apporté ce qu'on devait apporter cette année, donc c'est normal que les supporters soient déçus.